Salut tout le monde et bienvenue sur OJT on joue à tout pour mon épisode Zelda Breath of the Wild numéro 6. Pour résumer l'épisode précédent, j'avais donc trouvé un marchand itinérant du nom de Jeroko. Malheureusement les amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que lors de l'enregistrement, cette séquence-là a coupé. Je ne le savais pas encore puisque moi, comme vous le savez, je les tourne en avance, donc je me suis fait avoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer cette séquence, on va reprendre la suite. Je vais vous résumer vite fait ce qui s'est passé. Donc j'ai découvert ce marchand, on peut lui acheter des objets comme des flèches ou des ingrédients, comme des carottes ou des champignons, et on peut également lui vendre enfin des minerais. Mais ne vous inquiétez pas, on trouvera très certainement d'autres marchands, et cette fois-ci je veillerai à ce que l'enregistrement ne coupe pas. Également, je pense que les prochaines vidéos, alors pas forcément tout de suite puisque j'en ai quand même pas mal en avance, mais je vais arrêter de les tourner en avance et je vais commencer tout doucement à les faire en live, donc c'est-à-dire je vais jouer et parler en même temps, et je coterai quand même certaines parties, bien entendu, quand je recommence 50 fois les mêmes choses. Mais en tout cas, au moins je serai sûr cette fois-ci de ne plus avoir ce genre de soucis. Et ce sera plus simple également pour moi niveau montage. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire si ça vous plaît. Comme je vous ai dit, on va continuer après avoir rencontré Jeroko. Donc c'est reparti, let's go. Donc là, on est reparti, ça y est. On est dans la petite forêt donc, qui était juste à côté de Jeroko. On va commencer tout doucement à se diriger donc vers la tour pour avoir la map. Car comme vous le voyez en bas à droite, elle n'est toujours pas affichée à l'heure actuelle. On se rapproche doucement. Alors, ah, intéressant, des rochers. Qu'est-ce que c'est? J'adore vraiment explorer dans ce jeu. Comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des noix Korogu. Donc là, vous voyez, il y a un trou tout en haut. Et je suppose qu'il faut pousser ces rochers dedans. Mais ça m'a l'air très galère parce qu'il y a une bonne pente. Donc pour descendre, ça va. Alors par contre, pour le mettre dans le trou, bonne question. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse le pousser comme ça. Donc là, il faut utiliser un module pour figer la pierre et taper dedans pour l'envoyer dans le trou. Mais je sais pas comment ça... Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ah, merde, pas assez fort, malheureusement. Elle a pas bougé, j'ai eu de la chance. Putain. Allez, un petit effort. Pas évident de doser correctement. Ah, je suis pas sûr que ça va le faire là. Trop fort? Ou pas assez? Ah non, les boules, t'es sérieux? Eh merde. J'y étais presque. Là, faut tout que je recommence. Ouais, j'ai peut-être été un peu fort là. Oh putain, oui. Ah merde, elle est carrément tombée de l'autre côté. Ouais, bah là, c'est la merde. Je sais pas si je vais continuer. Peut-être pour une autre fois celui-là. Ah bah là, elle était jusqu'à là. Ah la vache. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue là. On dirait qu'on peut peut-être soulever cette dalle. Il y a peut-être un Korogu là-dessous. Si ça se trouve. On va quand même retenter. Mais là, le problème, c'est que je vois pas où est ce trou d'ici. Et l'éventail va se casser. Et merde. Ouais, je crois que j'ai fait de la merde. Je me suis chié dessus. On laisse tomber. Alors, ça marche pas? D'accord. Changeons de module. Ah! Ah non, ça fonctionne. On va utiliser un autre objet. Allez, casse-toi! Ah, ça, c'est un Korogu, ça. Oui! C'est beau, ça. Donc, en essayant d'en trouver un, je tombe sur un autre. Pourquoi pas? Ça reste comme le plateau du prélude. Ils sont plus ou moins regroupés. Donc là, on va mettre un petit tampon. Donc pour indiquer la zone où j'ai trouvé cette noix, je pense revenir dessus plus tard. Si vous avez vu, j'ai fait un petit tuto Solus Astuce pour les noix Korogu du plateau du Prélude. Donc je pense que je fais un retour ici, dans cette zone, dans le royaume d'Hyrule. Et on va retourner sur cette noix plus tard. Ne vous inquiétez pas. Donc là,
On va essayer de voir ce qui se cache ici, peut-être un coffre, pourquoi pas. Ouh! Je commence à devenir bon à l'arc. On va essayer de les faire exploser. Dommage, il n'y avait pas d'explosif. Et là, par contre, pour grimper là, c'est un peu la dèche. Donc, on va essayer de regarder si on peut pas aller plus en hauteur. Et grâce à la paravoile, est-ce que ça passe? Ça passe. Parfait. Et là, on va pouvoir les fighter! Ces chiens! Ouh! Il me reste un cœur, ça pue la merde. Casse-toi! Mon bouclier a bien servi. Il y a des flèches dessus, excellent. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre? 10 flèches en bois. C'est pas dégueulasse. Poursuivons. Ah, cette noix Korogu m'a quand même bien saoulé là. On va y retourner, mais pas pour l'instant. C'est quand même vraiment immense. On s'y perdrait presque. J'aurais déjà pu aller vers la tour, mais j'ai décidé un petit peu d'explorer plus loin. Histoire de voir s'il n'y a pas des objets, des Korogu ou autres. Pourquoi pas des personnages comme des marchands ou peut-être même des sanctuaires aussi. Visiblement, il n'y a rien. Bon, ben on va aller vers la tour. Hein. Peut-être que elle m'apportera des choses au niveau de la map. On n'est pas très loin. Grâce à la paravoile. Sinon, à pied, je pense que je mettrai un paquet de temps. Même avec la paravoile, comme vous le voyez, c'est pas si proche que ça. Ah, un petit minerai, tiens. Oh, deux même. Donc j'ai compris que ça se casse à la bombe. L'inconvénient, c'est que ça vole partout. Donc là, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que c'est? Une opale brute et du sel. Et oui, le marteau également, donc il cassait le lithoroc, et ben il peut aussi servir là, donc c'est pratique. Ça vole déjà moins loin. Donc là, on dirait qu'il y a un petit sentier. Je sais pas où ça mène, ça, par contre. Ah! Ouh, d'accord, ouais. Ah, c'était les falaises qu'on voyait quand on était au début du plateau. Donc là, on voit déjà qu'il y a un sanctuaire, on va le marquer. Parfait. Et on va quand même aller voir d'abord cette petite tour, histoire de voir la map, mais c'est quand même étonnant. Est-ce qu'il y a des ennemis? On dirait qu'il y a rien. Pourquoi? C'est bizarre, y a rien. Est-ce que ça aurait un rapport avec la lune de sang? C'est-à-dire qu'ils apparaîtraient peut-être ici quand il y a la lune de sang? Je sais pas, c'est étonnant. Silex. Ah, des ennemis. Bon, il va falloir qu'on traverse cette eau pour aller en face. On va peut-être essayer d'utiliser le module de glace. Ah, ce serait pas un gros goût ça? Ah si, parfait. Il est passé où? Ouh, il me fait tirer dessus là. Ah, il est là. Par contre, ces trucs-là, ils commencent à me gonfler, ces hôpitaux là. Mais on dirait qu'il est pas comme l'autre. Il est bleu.
Commence à me faire chier ceux-là. Oh putain, c'est qui ça visait ces enculés hein? Putain, mais il va me tuer. Je vais même pas réussir à arriver. Bordel. On va se soigner vite fait. Sinon, on va avoir le droit à mort. Commence à me faire chier celui-là. Et ce Gorogu, toujours pas. Côté pratique, il m'indique le chemin pour aller vers la tour. Gorogu! On se fait canarder. Pas mal de minerais dans cette zone, c'est intéressant. Sachant qu'après on peut les revendre à des marchands. Mais il y a un truc qui m'intrigue, c'est que je pense quand même on aura droit à des améliorations d'armes ou d'armures parce que c'est pas possible qu'il y en ait autant et qu'il n'y ait pas d'utilité. Ça me paraît étonnant. Pour l'instant, j'en vends un petit peu, histoire d'avoir de l'argent parce que je pense qu'on va en avoir besoin plus tard. Mais j'en garde aussi un petit peu parce que il suffit qu'on en ait besoin pour améliorer des armes, ce serait dommage de passer à côté. Ça, j'avais repéré avant. Le sanctuaire, on le fera peut-être plus tard. C'est même sûr. Ok. Allons vers cette tour cette fois-ci. Je vous aurais fait attendre. Tour des monts Géminés. Donc le vieillard nous en avait parlé, effectivement, des monts Géminés. J'espère que la map va nous apprendre quelques petits détails. Encore une fois, sans endurance, c'est très compliqué de grimper. Donc c'est vraiment la prochaine chose que je vais améliorer. Et au final, j'ai découvert dans l'écran d'accueil, donc quand il y a des chargements, il y a des petits textes indicatifs qui m'ont dit que pour avoir la bénédiction de la déesse Ilia et donc avoir un cœur en plus ou de l'endurance en plus, il faut lui donner 4 emblèmes du triomphe. Donc c'était bien ce qui s'était passé dans le plateau du prélude. On en avait 4 et il fallait en donner 4. Donc si ici il y en a 12, on pourra avoir 3 améliorations, ce qui est intéressant. Je pense que sur cette zone-là, il y en aura plus que 4. Ça m'étonnerait qu'il y en ait seulement 4. Enfin arrivé. On va examiner et voir ce que ça donne. Tablette Sheikah reconnue, activation. Ah. Acquisition des données locales. Nickel. Enfin pouvoir savoir à quoi on a affaire. Comme je vous disais, ça fait à peu près 3 fois le plateau du prélude, plus ou moins. Ce qui est énorme. D'accord. Ouais, 3 fois facilement quand même, hein. La carte de la zone a été enregistrée. Donc il y a beaucoup de montagnes et il y a quand même aussi pas mal d'eau également. Oh, on a un nouvel objet, le détecteur Sheikah, localiser les sanctuaires initiatiques. On peut désormais utiliser le détecteur Sheikah pour l'activer ou désactiver. Donc, ok. Le détecteur réagit lorsque vous approchez d'un sanctuaire. Ouh, ça c'est intéressant. Je pense que comme la map est tellement énorme, sans ça, on en raterait peut-être beaucoup. Le détecteur est opérationnel, parfait. Ah là, il sonne. D'accord. Le détecteur émet un signal sonore, donc dès qu'on approche d'un sanctuaire, et là il me le dit, là, sanctuaire à proximité. Oui, c'est celui qu'on a certainement vu tout à l'heure dans la falaise.
J'imagine. Oui, celui qui... Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Ouais, ça doit être celui-là. Pratique. Bon, avant ça, moi j'aimerais aller voir vite fait cette petite zone là. Il y a quelques petits bocaux. De toute façon, avant d'aller vers cette falaise, me diriger plus vers là. Il y a encore beaucoup de choses à voir. On voit le château de Ganon en haut à droite. Mais on va pas y aller encore. L'alerte a été donnée. Putain, il a une épée de ouf celui-là. Oh, c'est beau ça. On le défonce. Et l'autre, il a allumé sa batte, ce petit salaud. Ah, j'ai pris feu. Game over. Super. Ah, il m'a rôti le mec. On reprend. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà 1400 pièces, 11 Makorogu, 5 emblèmes de triomphe. Et on va se refaire ces petits connards de Bokoblin. C'est parti. Cette fois-ci, il faut que ça passe. Voilà, c'est déjà mieux. Faut essayer de les isoler au maximum. Bien joué, ça. Il a une putain d'épée. L'attaque spéciale. Réussit deux fois de suite, ce qui est plutôt pas mal. Il nous reste celui qui sonne l'alerte, je crois. Ah, et encore un bleu aussi également. Voilà, headshot, parfait. Ah, il m'a eu. Nickel. Donc ça, c'est fait. Il reste plus que toi. Je voulais lui renvoyer la caillasse, mais ça marche pas. Ou je m'y suis peut-être mal pris, d'ailleurs. Ça aurait pu être marrant. Et il reste celui qui sonne l'alerte. Il y en a, petit con. Wow! Magnifique. L'arc, je commence à bien le maîtriser, ça c'est cool. Même pas de coffre, je suis dégoûté. Donc, comme vous l'avez vu, on a trouvé enfin la tour et on va continuer. On va essayer de se diriger vers en haut là. Il y a quelques petits trucs pas mal comme les lacs. Il y a des petits chemins aussi également. Je sais pas à quoi ils mènent, mais ça m'intéresse. Pour l'instant, on ne va pas dépasser les monts Géminés, on va rester dans la zone. Allez, allons voir ce qui se passe plus loin. Une viande grillée, impec. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus bas? Un boko. Il m'a pas capté. Ouh, il fait mal celui-là. Magnifique. Appelez-moi Robin des Bois. Ramassons. Alors, des flèches. Très bien. Impec. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, un coffre. Un éventail Korogu, j'en ai déjà un. Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est qu'il y a des bocaux là-dedans. Discrétion, les amis, un scarabée lame, parfait. Ouh, il y en a déjà trois. Plus ces saloperies. Elles vont tout gâcher. Putain, elle a volé jusqu'à là. Je crois que j'ai tout pété. Ah, il y a un bleu là. On va se le faire. Explosion dans les chaumières. Allez, viens. Yes. Ça lui a pas fait grand-chose. On va se le faire. Finissons-le. Pute. Putain, l'attaque spéciale ne marche plus, les amis.
Je m'y prends un peu comme un pied. J'arrive plus à la refaire. Tant pis. On se le finit à la normale. Crève. Parfait. On se casse. Alors ensuite, nous arrivons près de l'eau. Et un petit radeau, tiens. Ah, il y a un coffre dans l'eau. Intéressant. Ah, il y en a même un deuxième, tiens. Une opale brute, parfait. Maintenant que je sais qu'il y a des marchands dans ce jeu, on va pouvoir les garder, les revendre peut-être par la suite. On va essayer de choper ce deuxième coffre. Ah, l'éventail Korogu, peut-être qu'il servait pour se déplacer. On va essayer. Ça fonctionne, on dirait. Oui. Ça avance pas vite, mais ça fonctionne. Et le deuxième coffre. Un arc de soldat niveau 14. C'est pas mal. Et ça, c'est quoi? Un Korogu. Oui! Ça commence à grimper doucement. Allez, on fout le camp. Très pratique ce Cryonis, comme vous le voyez, pour se déplacer. J'aurais peut-être dû même l'utiliser à la place du bateau, mais c'est pas grave. J'y avais pas pensé sur le moment. Continuons l'exploration. Avec ses fils de... Pute! Pute! Et pute! Pute! C'est très étrange, c'est très calme. Ah, un trou. Est-ce qu'il y aurait un rocher dans le coin à mettre dedans par hasard? Un petit Korogu. Ah oui, en haut de l'espèce de petite colline. Un Korogu. Il y en a vraiment énormément sur ce plateau. C'est un truc de ouf. Alors cette fois-ci, c'est beaucoup plus facile parce qu'il faut le faire basculer jusqu'en bas. Et on va marquer ce petit sanctuaire, tiens, au passage. Donc là, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de mal. Quoique, il n'est pas vraiment super rond, donc. Est-ce que je vais l'avoir du premier coup ou pas? Ça m'a l'air bien parti. Oui. Ah, le con! Il a dérivé. Mais merde. Allez. Putain. Encore un petit effort. Et yes. Et un Korogu encore, parfait. On est à 13, ce qui est pas mal. Je sais même pas par où aller en fait, les amis. Je me laisse guider par mes intuitions. On va peut-être se diriger en hauteur, voir si on peut apercevoir peut-être quelque chose. Attendez, je vois quelque chose là-bas. Je suis pas encore allé par là, je crois. Ah, ça s'explose, ça. Un coffre, d'accord. Ouh, 50 rubis, c'est pas dégueulasse. Ça me plaît. Un champignon tempo. Je suis déjà passé par là.
Oula! Oh! Ne serait-ce pas un Little Rock? Et si. Little Rock, ok, on sait comment le battre. On a un marteau. On va essayer peut-être une nouvelle technique cette fois-ci, vu qu'on a la paravoile. C'est d'aller en hauteur, les amis. Pour pouvoir esquiver ses attaques et monter dessus plus facilement. Est-ce que ça va fonctionner? Il est peut-être un peu loin. On va la tenter. Allez, approche-toi, connard. Je sais pas si ça va le faire. Non. Ratage total. Reprenons. Oh! Il me détruit la gueule. Allez, on retente. Je le sens bien. Pas trop m'atteindre d'ici. Oui, cette fois-ci, c'est bon. Yes. Allez, à l'attaque. Il prend masse dégâts, c'est beau. Et normalement, il devrait crever. Putain, c'est beau. Et on aura ramassé pas mal de petites choses sympas. Regardez-moi ça. C'est Noël. Yes. Encore un petit ici. C'était sympa. Petit Little Rock, donc assez facile à battre maintenant que je sais comment ça fonctionne. On va essayer de se diriger peut-être vers le sanctuaire que j'ai marqué tout à l'heure. Mais ça fait un peu partie hors zone, donc je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais vu qu'il y en a un pas loin, on va peut-être essayer d'y aller. Si je vois que ça devient trop chaud, on n'ira pas. Mais pour l'instant, on va peut-être essayer d'y aller. De toute façon, ici c'est tellement immense que je sais pas trop vers où aller. On se fait tirer dessus. Il était là. Connard, là. Champier un mot. Et encore un de ces salopards. Et par là. Il y en a un deuxième. Ça commence à me gonfler ces deux-là. Allez, quittons cette forêt. Alors, notre petit détecteur nous indique qu'il y a un sanctuaire à proximité, mais d'abord nous allons aller voir cette petite zone. C'est très intéressant. Yes. Je suis Raan, chasseur. Ah, celui-là, on l'aura pas. Raté, et ils vont se barrer, eh oui. Bon bah tant pis. Manway versus Wild sera pour plus tard. Attaquons-nous à autre chose. Champiziril. Et l'alerte a été donnée. Oh putain, mais c'est qui balance des tonneaux explosifs? Regardez-moi ça. Les mecs sont tarés. Ils deviennent de plus en plus ouf ici. Ils ont plus. Oh, ils se sont ratés tout seuls. Les mecs se sont flingués tout seuls. Les Bokoblins travaillent pour Daesh. Nous avons eu affaire à des terroristes. Encore une fois, pour aller sur cette espèce de petit plateau pour les retrouver. Il faut toujours se aller en hauteur, j'ai l'impression. Raté. Putain, mais c'est pas possible. Il a failli m'avoir, lui, par contre. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Des blocs en acier. C'est intéressant. Il y a sûrement une énigme à résoudre.
Je vais essayer de l'utiliser pour grimper sur cette espèce de pilier en pierre. Car comme vous le savez, avec mon endurance assez faible, j'ai du mal à grimper dessus. J'ai vu qu'il y en avait un dans ce tronc d'arbre. On va essayer d'empiler les deux, si j'y arrive. Et non. Super. On va s'y reprendre. C'est un peu en pente aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Hop, on a failli mourir tout seul. Eh ben, on laisse tomber. On va en utiliser un seul, ça ira peut-être. Endurance à fond, c'est parti. Il est quand même très haut. On est à la moitié. Ça va peut-être passer. Il reste plus qu'un quart, même pas. Ça devrait le faire, mais j'ai un peu peur. Zone rouge, attention le saut. Oh putain. Des flèches explosives, parfait. On voit qu'il y a un sanctuaire dans le fond. On va peut-être aller vers là-bas. Mais avant ça, on va voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer dans la zone des bocaux d'avant. Un petit coffre ou des petits objets sympas, je sais pas. Rien de spécial. C'est dommage. Les flèches que j'ai ratées, pas mal. Et il n'y a même pas de coffre. Super, c'était à chier. Donc là, on a le petit détecteur à sanctuaire qui commence à biper. Qu'est-ce que c'est? Un escargot silencieux, d'accord. Silencieux, ça m'intéresse pas, donc c'est à utiliser pour les préparations ou les remèdes qui vous permettent d'avoir de la discrétion, mais je m'en fous, honnêtement. La discrétion, j'en ai rien à secouer. Donc là, le sanctuaire est hors zone. Je pense qu'on va quand même se risquer à aller là. Est-ce que ça va me déranger ou non dans ma quête principale? Un coffre, tiens. Arc de voyageur, nul. De toute façon, j'ai pas assez de place. Et c'est pas grave, il a chié. Oui, donc je me pose quand même la question à savoir si en allant dans des zones où je ne suis pas censé aller, est-ce que ça va changer quelque chose dans mes quêtes principales ou non? Je ne sais pas. Par contre, ce bruit de truc qui bip sans arrêt me gonfle. À voir si on peut peut-être le désactiver. Et on va s'y diriger doucement vers ce petit sanctuaire. Super. Ils me saoulent ces trucs là. C'est qu'ils sont assez précis ces enculés là. Il doit être vers là, je crois. Oui. Octo à la merde. Bon, le sanctuaire se met à nouveau à biper. Ah, il est en face de l'eau, d'accord. C'est quoi ça? C'est des escargots? Oui. Escargot d'eau douce. Oh putain, il y a encore un sanctuaire en face aussi. Il y en a beaucoup des sanctuaires dans cet endroit. C'est très intéressant. On va peut-être pouvoir finalement récupérer un cœur ou de l'endurance bientôt, si ça continue. Ah, on peut pas le marquer. Ah oui, parce que j'ai déjà balisé d'autres sanctuaires en fait. Et par contre, il y a une espèce de bâtiment assez bizarre. Donc là, on sera hors zone, effectivement. Je me demande ce que c'est que ce bâtiment, les amis. On verra peut-être plus tard, on va aller vers le sanctuaire là sûrement. Je sais pas encore, qu'est-ce que je vais faire? On va peut-être essayer de faire le tour de l'eau et aller vers ce sanctuaire qui me paraît plus proche. Même s'il est hors zone, tant pis. Bon, il n'y a plus grand-chose ici. Allez,
On va aller vers cette zone et surtout cette espèce de bâtiment. Aïe, on dirait qu'il y a un pont. Ah bah c'est pratique ça, tiens. Ah, on n'est pas loin, c'est cool. Alors, pont d'Arfin. Ok, ça me dit rien du tout. Ouais, on sera vraiment hors zone. Mais tant pis, on y va. On va pas se gêner. Si déjà il est à portée, on va y aller. Alors, il y a un Korogu. Alors, je vous avoue que celui-là, j'ai pas du tout réussi à résoudre l'énigme. Je sais toujours pas comment on fait à l'heure actuelle. Donc, quand on fera la soluce astuce du plateau du prélude, je vais m'arracher la tête pour essayer de trouver comment on fait. Je suppose qu'il y a quelque chose en lien avec les arbres. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là. J'ai déjà essayé de casser tous les arbres de la zone où il y avait cette espèce de petit ventilateur, on va dire ça comme ça. Ça a rien donné. Je vais essayer de réfléchir et trouver la solution. Ne vous inquiétez pas, la solution sera donnée dans le tuto Solus Astuce. Là, il y a un sanctuaire, donc on va plutôt se focaliser là-dessus. Tant pis pour le Korogu. Je reviendrai dessus plus tard. C'est surtout le bâtiment, moi, qui m'intrigue. On dirait un genre de ferme, en fait. Il y a des espèces de petit parc pour animaux, peut-être. Relais de la rivière. Un relais. Ok, donc c'est un genre d'auberge, peut-être. Les amis, ce que je vous propose, c'est de me retrouver dans l'épisode 7, où nous allons découvrir ce qu'est ce relais. Merci. Et à bientôt sur OJT. Ciao, ciao!